On a 3, 4, 5 candidats dits de gauche qui se présentent en ordre dispersé face à Marine Le Pen, comme vous le dites. C'est quand même le meilleur moyen de faire le jeu du Front National. Vous avez entièrement raison. Moi, j'ai installé la table de négociation, j'ai mis les chaises autour, les gens n'ont pas voulu s'asseoir et à un moment, ça... Voilà, moi je ne peux pas imposer aux gens de discuter quand ils n'en ont plus envie. Et je constate que le contexte national a été très peu propice à ce genre de discussion et que voilà, on apprend hier à 20h que Marine Le Pen est candidate. On le subodorait quand même et en réalité il était trop tard, les candidatures étaient déjà déposées et même si ça faisait 6 mois que cette discussion avait lieu, au lendemain de la présidentielle, les discussions se sont raidies à gauche. Donc moi je ne dis pas non plus qu'il faut faire le deuxième tour avant le premier tour et qu'il y a des programmes, des projets différents qui ont été portés et je ne voulais pas être la candidate ni de la loi travail ni de la déchéance de nationalité, ça c'était pas possible pour moi. Mais avec d'autres, on aurait pu discuter, ils ne l'ont pas souhaité. J'en prends acte et j'avais pas le choix.